Ce qui caractérise le blanchiment, c'est le fait de dissimuler l'origine illégale des biens ou des avantages patrimoniaux issus d'infractions afin de pouvoir les utiliser à des fins légales ou illégales. Concrètement, le délit de blanchiment recouvre trois types d'actes qui correspondent plus ou moins aux trois stades du processus de blanchiment. La première série d'actes de blanchiment vise l'achat, la réception, la possession, la garde ou la gestion d'avantages patrimoniaux illégaux, alors que l'auteur connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début des opérations. Sauf si les infractions ayant généré ces avantages blanchis ont été commises à l'étranger et qu'elles ne peuvent pas être poursuivies en Belgique, leur auteur, co-auteur ou complice ne peuvent être poursuivis sur base de cette série d'actes de blanchiment. Le deuxième type de comportement sanctionné est la conversion ou le transfert des avantages patrimoniaux illégaux dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction de base à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. Le législateur vise notamment le cas de la personne qui, auteur ou non de l'infraction de base, revend les biens tirés de cette infraction ou transfère les sommes illégalement obtenues sur un compte bancaire ouvert dans un paradis fiscal. Enfin, le Code pénal incrimine ceux qui ont dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des avantages patrimoniaux illégaux alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations. Cette définition est très large et permet entre autres de sanctionner le recours à des sociétés écrans. L'élément moral requis pour que l'infraction de blanchiment existe est commun aux trois séries d'actes incriminés. Toutefois, une intention particulière doit pouvoir être constatée en cas de conversion ou de transfert des avantages patrimoniaux illégaux. Ainsi, une personne ne peut être légalement poursuivie pour blanchiment que si elle connaissait ou devait connaître l'origine illicite des avantages patrimoniaux qu'elle a blanchi. La preuve de la présence de l'élément moral est allégée en ce sens qu'il suffit de démontrer que, compte tenu du contexte, la personne poursuivie ne pouvait que conclure que les choses blanchies avaient une origine illicite. Sans qu'elle ne doive connaître précisément l'infraction dont sont issues ces choses, la personne commet un blanchiment lorsque toute origine légale peut être exclue et qu'elle a pu se convaincre de leur origine illicite. Lorsque les faits reprochés consistent en la conversion ou le transfert d'avantages patrimoniaux illégaux, la personne poursuivie doit, en outre, avoir agi dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction de base à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. L'auteur de l'infraction doit avoir voulu empêcher la détection de l'origine illicite des fonds. Ceux qui commettent un délit de blanchiment encourent une peine d'emprisonnement de 15 jours à 5 ans et une amende de 26 à 100 000 euros ou l'une de ces peines seulement. La tentative de blanchiment est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 26 à 50 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Outre les peines d'emprisonnement et d'amende, la peine de confiscation spéciale est également applicable. Le législateur a prévu une peine de confiscation propre au délit de blanchiment qui déroge à celle applicable aux autres infractions. Ainsi, les avantages patrimoniaux illégaux blanchis constituent l'objet de l'infraction de blanchiment et doivent être confisqués même si la propriété n'en appartient pas au condamné.